aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un nouveau vlog, donc je vous prends avec moi pendant 7 à 10 jours pour vous parler de mes lectures. Je vous ai laissé la dernière fois il y a 5-6 jours et j'ai vécu ma petite vie de mon côté. J'ai lu des livres, notamment un énorme coup de cœur dont je vous parle dans un point lecture. Donc voilà, ceux qui suivent les vlogs, n'hésitez pas de temps en temps à checker les points lecture, parce que parfois je présente des livres que je présente pas du tout en vlog, et donc n'hésitez pas à regarder parfois les points lecture qui sont un peu différents. Enfin, je vous oblige pas, hein. Simplement pour vous expliquer que les points lecture, c'est un petit peu un autre concept. C'est en général, ils sont un petit peu plus travaillés aussi, avec un aperçu, un avis sur le livre un peu plus mûri, un peu plus réfléchi, avec de petites recherches parfois en plus. Et le point lecture qui est sorti, de toute façon, que vous aurez vu, oui, que vous aurez vu sur la chaîne, c'est un point lecture avec un énorme coup de cœur et quelques lectures qui ne sont pas présentes dans les vlogs. Mais bien sûr, il y a des livres que vous avez déjà vus, donc voilà, c'est un peu fait comme vous le pensez, hein. Voilà, le but de cette vidéo, de ce book, non pas du tout book haul, de ce vlog, c'est, cette fois-ci, il n'y a pas de challenge ni quoi que ce soit, j'ai juste quelques petits objectifs. J'ai pour objectif de commencer Cranford de Elizabeth Gaskell. C'est pas grave si c'est à la fin du vlog et que je ne le finis pas, j'ai vraiment juste envie à la fin de cette semaine, à la fin de ces 10 jours, de commencer, ne fût-ce que commencer Cranford d'Elizabeth Gaskell, puisqu'on sera toujours en février et qu'il faut le lire pour février. Mon but aussi, c'est d'avancer dans ma lecture de Sans détour de Tom Clearly. Alors c'est un livre que j'avais commencé il y a un long moment, je vous en avais parlé, et j'ai décidé de me replonger dedans. Bon, je suis pas très très loin. Une autre lecture en cours qui est deux fois moins lourde et pourtant qui fait, enfin voilà, c'est à peu près la même taille, rien plus petit, c'est Le chant des sans repos de Roseanne et Brown chez De Saxus. C'est ma lecture en cours, je suis pas hyper loin. Je suis page 62. Et en fait, là, c'est vraiment un livre que j'ai envie de continuer. Bon, si j'accroche pas, je vais le laisser de côté, je vous en parlerai, hein. Mais ce livre-là, je vous avoue, j'ai un petit peu du mal. Bon, on a un univers qui s'installe petit à petit, c'est intéressant. On a quand même beaucoup d'éléments qui, moi, quand je suis pas très concentrée, je dois relire pour être sûre d'avoir bien compris, parce que forcément, on découvre un univers qu'on ne connaît pas. Donc, il faut parfois que je relise certains éléments au niveau de la compréhension et de la création de l'univers. Je pense que ça va me plaire, mais j'en suis pas certaine. J'ai peur que ça parte un petit peu comme Kelly Anna, que j'ai dû abandonner, ou ce genre de livre. Je vais pas aller loin dans le résumé, mais on va suivre notamment une jeune fille qui est censée, une princesse héritière, hein, qui est censée gouverner un jour, et on voit que c'est pas sa priorité en ce moment, et elle se fait un peu engueuler par sa mère. Enfin bref, là on est au moment où elle a l'entrevue avec sa mère. J'espère que ça va bien, ça va un peu changer. Donc ça, c'est ma lecture en cours, je peux pas vous en dire grand chose, enfin je peux pas vous en dire beaucoup plus. Donc voilà, mon but, c'est d'avancer dans mes lectures en cours. J'ai d'autres petites envies de lecture, mais je vais pas trop les lire parce que j'ai trop peur que ça me porte malheur et que j'ai tout d'un coup plus envie de les lire. J'ai aussi des petites nouveautés à vous montrer. Je pense que je vais faire ça demain, quand j'aurai un peu plus de temps, je serai un petit peu plus cool. En tout cas, je suis super contente de reprendre ce vlog, ça me fait vraiment plaisir, et en général, ça me motive quand même pas mal à lire, donc je suis super contente. Et j'ai envie, je sais pas si ce sera dans ce vlog-ci ou dans le prochain, mais j'ai très envie de me faire une petite commande, une toute petite commande sur Online Baby Plant, parce que j'aime beaucoup leur terreau. Alors je peux très bien en acheter en vrac, pas loin de chez moi, etc. Mais je vous avoue que j'aime bien le conditionnement de leur terreau, et j'aime bien aussi la qualité de leur terreau. Voilà, moi il me convient bien pour mes plantes. Et, peut-être une ou deux petites plantes, pas trop, parce que j'ai plutôt envie de m'occuper de celles que j'ai mises en bouturage notamment, que j'ai envie de rempoter. Et bon, on n'est pas encore au printemps, mais on arrive doucement fin février, et je trouve que certaines de mes plantes seraient prêtes à être plantées. Et du coup, j'ai envie de faire ça. Je sais pas si ce sera dans ce vlog-ci ou le vlog prochain, mais comme d'habitude, je vous mettrai un découpage, hein, pour tout ce qui concerne les plantes, qui, je sais, n'intéressent pas tout le monde. Mais moi, j'adore les plantes, d'accord. Voilà, je vais vous laisser, je vous reprendrai certainement demain. Thank you.
Hello hello, je vous retrouve, on est lundi, quelques jours après le début du vlog. Je n'ai pas beaucoup avancé dans mes lectures, j'ai avancé un petit peu mais vraiment pas... C'est pas fou, donc je viens vous parler de ça. Je viens d'abord, avant tout, vous parler des petites réceptions, des petites nouveautés. Je suis super contente parce que j'ai reçu ce joli coffret, c'est de chez Casterman. Je vous ferai peut-être un unboxing un petit peu plus qualitatif, mais en gros, on a la sortie bientôt au mois début du mois de mars là, de Souveraine, que j'ai prévu de commencer plutôt la semaine prochaine pour que ce soit vraiment proche de la sortie. On va parler ici de complot politique, de séduction, de voilà, toutes sortes de choses dans le but de provoquer une guerre. Enfin, visiblement, c'est un petit peu... Ils disent que c'est fantastique, mais ça ressemble plus à de la fantasy quand même, puisqu'on est dans un univers inventé. Ça a l'air vraiment chouette. Franchement, j'ai regardé le... En plus, les avis en VO sont plutôt très très bons. En tout cas, ils me tentent beaucoup. Et dans le petit coffret, on avait une poudre de... C'est quoi? De la poussière d'étoile. C'est trop chou. Écoutez, moi j'aime bien. On a un joli marque-page qui illustre donc le livre. Hein. Et alors, on a une petite carte, chose très appréciable quand on lit de la fantasy. C'est vraiment de la fantasy. On a une carte qui nous permet de nous situer. Et elle est vraiment jolie, je trouve. Elle pourrait aller très très bien dans ma déco. Donc c'est chouette, enfin dans mon coin fantasy, je pense pas la mettre dans mon coin bibliothèque, mais plutôt dans mon coin fantasy. Et bon, franchement je suis super contente d'avoir reçu ce petit coffret parce que c'est chouette quand même. Voilà, d'avoir un petit coffret qui illustre le livre, ça donne super envie de découvrir. Et visiblement, les avis sont plutôt bons, donc je suis très tentée par cette lecture. Le second livre que j'ai reçu la semaine dernière, que je vous ai pas montré, j'arrive plus à le trouver parce que je l'avais rangé. Voilà, ça vous explique un petit peu ma personnalité. c'est un livre de Camille Ansome qui s'appelle Ma Belle. Alors je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que la couverture était trop moche, mais moi je trouve pas du tout, je trouve qu'elle est jolie. Enfin, j'aime bien quoi, enfin c'est pas ma couverture préférée, mais ça me dérange pas du tout, je trouve ça sympa. Et donc moi j'avais choisi ce livre-là chez Kelman Levy parce que on nous raconte l'histoire de Louise qui va rencontrer sa belle-fille. Et en fait ça se passe pas très bien, donc elle est très enthousiaste à l'idée de rencontrer cette belle fille visiblement, mais visiblement elle se heurte à un mur, cette belle fille est dédaigneuse, ça se passe vraiment pas bien. Je pensais que ça allait être plus de l'ordre du thriller, de l'ordre du roman contemporain qui frise vers le noir, mais on nous dit ici que c'est quelque chose de plutôt humoristique. Écoutez, je vais découvrir, hein, ça se lit très très vite, je vais voir ce que ça donne, ce sera peut-être un petit peu noir aussi. Donc voilà pour une nouvelle petite découverte. Donc ça c'est une autre réception. Je viens vous montrer également quelques petits achats que j'ai fait dernièrement. Le premier achat que j'ai fait un petit peu sur un coup de tête, et c'est un achat lecture, pulsion, une chose tout d'un coup je me suis dit j'ai envie de lire ça. Ça m'arrive de temps en temps d'avoir tout d'un coup envie de lire ça et de tout abandonner, et c'est ce que je suis en train de faire avec Crime et Châtiment de Dostoïevski. Et quand je suis rentrée chez moi après avoir acheté ce livre, j'ai râlé ferme parce qu'en fait je l'ai déjà. Donc c'est pour vous dire un petit peu la taille de ma bibliothèque, j'en arrive à acheter des livres que j'ai déjà. Pour la petite excuse, je ne l'avais pas forcément référencé dans Livre Addict parce qu'il était dans mes beaux livres, vous savez, les livres qu'on achète, enfin que j'achète en seconde main, qui sont reliés, des vieilles éditions, et on a cette édition ici qui est absolument magnifique. Et je l'avais laissé de côté parce que je l'utilisais, vous savez pourquoi? Pour aplatir mes feuilles. Vous savez quand on cueille des feuilles, enfin quand on prend des feuilles en automne et tout, et c'est trop chouette, je suis trop contente, mais en fait j'avais oublié que c'était dans Crime et Châtiment. Donc c'est un livre que j'ai déjà, donc j'ai hésité à aller le rendre au magasin pour l'échanger, et j'ai fait un petit peu des recherches parce que c'est vrai qu'on parle ici d'une traduction russe, on traduit du russe, donc d'un classique, et déjà dans le magasin j'avais hésité en fait hein, entre celui-là et il me semble que c'est le livre de poche ou folio, je ne sais plus. J'ai pris celui-là, je pense pour le confort de lecture. Je sais qu'il y a pas mal d'écoles autour des traductions, il y a des traductions très littéraires qui vont faire des très très longues phrases qui changent pas forcément le sens mais qui sont vraiment parfois assez éloignées de la signification originale. Et visiblement André Markovitch, d'après ce que j'ai lu, ses traductions sont très pointilleuses et essayent d'être le plus fidèle à la langue russe.
Et donc, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop parce que c'est un peu moins lyrique que d'autres traductions. Et moi, je vous avoue, j'ai un peu feuilleté, hein. J'ai regardé si ça me plaisait. Et en effet, j'aime pas mal, en fait, cette traduction. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner sur le long terme, hein. J'ai lu 2 pages en magasin avant de l'acheter, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner sur le long terme. J'ai un peu comparé avec celui que j'avais pour savoir si j'allais échanger celui-là. Enfin voilà, aller le rendre parce que j'ai quand même déjà Crime et Châtiment. J'ai un peu comparé. Ici, on est sur une traduction qui n'est pas du tout connue. C'est une traduction, je pense, spéciale de cette maison d'édition, Presse de la Renaissance. Donc ici, c'est sorti en 1968 dans cette édition-là. Et le traducteur, c'est quelqu'un qui est dont j'ai entendu parler nulle part. C'est Léon Brodovikov. Voilà. Quand ils font des comparaisons de traductions de Dostoïevski, ils parlent pas de Léon Brodovikov. J'ai vraiment dû chercher pour entendre parler de ce monsieur. Et j'ai lu un petit peu la traduction. C'est joli. Franchement, c'est joliment écrit. Mais c'est vrai que les phrases sont beaucoup plus longues. Et voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu avancer dans cette version-là. Et selon comment ça se passe, si vraiment j'accroche pas. Pour le moment, j'accroche, mais si vraiment ça devient compliqué, si c'est très, si c'est trop chirurgical comme écriture, je pense que je me dirigerai vers mon autre version et je n'achèterai pas le tome 2 parce qu'ici, Crime et Châtiment est coupé en deux. Et je pense que ça apporte un confort de lecture de l'avoir coupé en deux parce que du coup, les polices de caractère sont un petit peu plus grandes, c'est assez fluide. Enfin, vous voyez, hein, la mise en page est quand même assez agréable. Donc voilà pour un des achats. J'ai eu une crise littérature russe. Voilà, parce que j'ai découvert une chaîne qui s'appelle la chaîne de Caroline Marie, ou je sais plus le nom de sa chaîne, je la mettrai en barre d'informations, qui lit énormément de littérature russe et je trouve cette fille absolument passionnante. J'ai très envie de lire Le pavillon des cancéreux de Alexandre Soljenitsyne. J'ai un autre livre de l'auteur qui est beaucoup plus court, donc je pense que je découvrirai l'auteur avec un autre de ses livres, mais je vous avoue que ça fait longtemps qu'il me tente celui-là. Donc voilà, j'ai très très envie de le découvrir. J'ai également feuilleté et effectivement le style est vraiment très agréable. J'aime bien maintenant en magasin, je vous l'ai dit déjà, hein, feuilleter pour voir vraiment si ça me plaît, surtout quand c'est des classiques. Si je vois déjà que je lis 2 pages et que j'accroche pas du tout au style, je sais que je vais pas acheter le livre. Et si franchement ça me tente énormément. Je me suis procuré Un paradis de Cheng Keiyi, qui est un livre qui va nous parler d'une clinique illégale. Alors c'est un livre chinois, traduit du chinois. Qui va nous parler d'une clinique illégale pour les mères porteuses, qui tient plutôt du centre de détention, voire de la maison close. Donc ça a l'air d'être un récit assez sombre. Ça a l'air terrible comme histoire. On nous dit que c'est un roman féministe qui dénonce le pouvoir patriarcal dans la Chine contemporaine. Et je vous avoue que ça m'intrigue énormément. Les éditions Piquier, c'est vraiment. Ils font vraiment un travail assez incroyable. J'aime beaucoup leur grand format, mais je préfère leur format poche. De nouveau, on a un confort de lecture. J'ai lu quelques pages, enfin une page en magasin qui m'a bien intriguée. On a des petites illustrations dans le livre, colorées en plus, donc c'est vraiment chouette. Donc ça, c'est pour le livre de Cheng Keiyi. Keiyi Cheng. Et alors j'ai pris un Laurent Mauvignier. C'est un auteur que j'ai jamais lu, que j'ai jamais acheté. Et c'est mon amie Annabelle qui, il me semble, non, c'est Flo. Floris qui avait lu dernièrement un Laurent Mauvignier, enfin dernièrement, je ne sais pas. Je suis un peu à la bourre sur l'échelle francophone des copains. Et en fait, celui-là m'a vraiment intriguée. Je crois que c'est une histoire très forte entre une mère et son fils. On nous dit que c'est une femme qui veut absolument sauver son fils. Et j'ai lu quelques extraits et j'ai été assez touchée par ce que j'ai lu. Donc voilà, j'ai très envie de découvrir Continuer de Laurent Mauvignier. Je suis toujours aussi nulle pour parler des livres que je n'ai pas lus. Oh. Et le dernier livre que j'ai acheté, je vous le montre. Il s'agit, ça c'est un livre qui m'a été conseillé, pardon, par mon amie Annabelle depuis un moment. C'est Sur les ossements des morts de Olga Tokarczuk. Je ne sais pas comment on prononce. C'est une autrice polonaise qui a eu un prix Nobel de la littérature. Je l'ai vu pas mal passer. Ce livre, il me tentait jamais. Et comme vous savez que je suis quelqu'un quand même de très changeant, tout d'un coup, le résumé me tente énormément, alors qu'il ne me tentait jamais jusqu'à présent. Donc vous voyez à quel point j'ai des personnalités dans ma tête. On va suivre Janina qui vit seule dans un petit village, qui se passionne pour la nature, l'astrologie, et elle est passionnée par William Blake. Et un jour, elle va trouver un voisin mort dans sa cuisine étouffé par un petit os.
Voilà, ça me tente beaucoup. Et on est de nouveau chez Libretto, donc ce sera de nouveau une maison d'édition vraiment que j'apprécie de plus en plus. Et donc voilà pour ce petit book haul. Et je vous parle de mes lectures en cours. Donc je vous ai dit hein, que j'ai commencé quelques pages de. Où est-ce que je l'ai mis? Je crois à la recherche de mes livres. Quelques pages de Crime et Châtiment que je ne lis pas là-dedans, mais dans la version Babel. Je suis toujours en train de lire et j'ai perdu mon marque-page, mais je suis à la page 80. Où est-ce que j'ai mis mon marque-page? Je ne sais plus. Dans les pages 80, je suis à peu près là dans ma lecture du chant des sans-repos. Je ne suis pas hyper emballée par cette lecture. Je lis quelques pages par jour, je vous l'avoue, de ce livre. Et du coup, je pense que c'est. Ouais, la découverte de l'univers, je trouve, est un peu compliquée à mettre en place. Il y a beaucoup d'informations en même temps. Je trouve que c'est pas hyper équilibré au niveau de la description de l'univers. Et je sens venir des choses avec les personnages qui m'embêtent un peu. Mais bon, je peux pas encore me prononcer parce que c'est toujours comme ça, les débuts de romans qui se passent dans des univers inventés, il faut un peu le temps d'adopter, de s'habituer à l'univers et de vraiment bien le comprendre, bien le saisir. Et là, je suis encore aux instants où je suis pas sûre d'avoir tout capté parce qu'il me manque encore des éléments et voilà, ou parce que je suis un petit peu bête, hein, je ne sais pas. Voilà, et alors aujourd'hui je vais prendre avec moi parce que j'ai des longs trajets sans retour de Tom Clear League. Alors c'est un pavé qui est très lourd, mais je pense que je vais prendre que celui-là avec moi et je vais avancer dans cette lecture. Ça fait un moment, c'est un thriller qui me tente beaucoup depuis un moment, donc je suis vraiment contente. Écoutez, je vais vous laisser tranquille parce que je dois absolument aller travailler et je vous retrouve un peu plus tard quand j'aurai lu d'autres choses. Salut, salut, je vous retrouve un petit peu plus tard. Nous sommes, quel jour? Nous sommes mercredi soir. Je viens de terminer de filmer mon point lecture. Mais ce point lecture, je n'arrive pas au bout, je n'en peux plus. Mais je suis contente de l'avoir enfin terminé. Alors, je viens vous parler de certaines petites choses, puisque non, je suis en train de lire toujours les mêmes choses. Je n'ai pas avancé dans Crime et Châtiment, et Châtiment, et pour cause. Ben, j'avance dans d'autres choses. J'ai un petit peu avancé dans ma lecture de. Ce livre-là, Le Chant des Sans-Repos, je vous avoue, je ne suis toujours pas plus emballée que ça. Je trouve vraiment que c'est pas hyper intéressant. Enfin, là, il y a un personnage qui vient de mourir, un personnage important qui vient de mourir. Je m'en fous, voilà. Et je suis en train de lire, j'ai bien avancé dans ma lecture de Sans Retour et pas Sans Détour de Tom Clear Leak. Alors ce que j'ai fait, c'est parce que je savais que j'allais le lire durant ce vlog, je me suis dit, allez, je vais essayer de le terminer quand même pour ce vlog et de pas non plus attendre le vlog prochain qui sera consacré à toute autre chose. Et du coup, je l'ai découpé en plusieurs jours pour pouvoir le lire, voilà, pour pouvoir le terminer pour ce vlog, même si c'est pas grave si je le termine pas en soi, hein, mais voilà, comme ça je peux vous en parler, aller jusqu'au bout. Et en fait, ça fonctionne pas mal pour certains livres, ce genre de découpage, parce que je sais qu'il y a le lundi, par exemple, j'ai beaucoup le temps de lire, et donc je prends avec moi, et donc j'avance pas mal dans ma lecture. Et là, en fait, j'ai déjà dépassé la lecture d'aujourd'hui, hein, j'ai déjà fait tout ce que je devais faire demain. Donc en fait, ici, dans Sans Retour, je pense que je vous ai déjà fait un résumé. On va suivre différents personnages qui vont se retrouver coincés dans une maison, une grande maison, un grand établissement. Tous des collègues qui vont se retrouver, des collègues, amis qui vont se retrouver. Ils sont 14. On sait qu'ils sont coincés pendant 18 jours à cause d'une tempête de neige. On sait qu'il y a 5 disparus qui sont partis lors de la tempête de neige parce qu'ils ont voulu essayer de trouver de la nourriture et de fuir ou de chercher de l'aide. Et les autres sont dans un piteux état. On sait que leur état psychologique est vraiment très très. Comment dire, critique, hein, parce qu'on se demande, mais c'est bizarre quand même. Alors d'accord, tu passes 18 jours dans un lieu, tu sais pas manger à ta faim, etc. T'as perdu plein de kilos, etc. Effectivement, tu vas pas bien, mais l'état psychologique de certains personnages est assez louche, donc on se pose des questions sur s'il ne s'est pas passé d'autres choses. Alors là, je suis à plus de la moitié, donc je sais déjà tout ce qui s'est passé, puisque on retourne un moment dans le passé pour savoir, bah oui, les 18 jours, et donc là, on est à la fin des 18 jours, on est à après les 18 jours. Je trouve la construction du récit totalement
passionnante. On a vraiment tout d'abord la première partie avec les enquêteurs, avec notamment un enquêteur qui se pose des questions sur ces personnages qui ont été sauvés donc, de cette maison. Il se dit, tiens, c'est bizarre, a priori, il n'y a rien de louche puisque ce sont des personnes qui ont été coincées pendant 18 jours dans un établissement. Mais il trouve quand même, parce qu'il doit leur poser des questions, surtout vis-à-vis des 5 personnes qui sont disparues, qui seraient parties pour aller chercher de l'aide en pleine tempête. Il se pose des questions, lui, il se dit, mais c'est bizarre, les réponses que je reçois ne sont pas très cohérente, et donc lui il cherche un peu la fight. Il a envie de savoir si s'est pas passé quelque chose de spécial dans cette maison. Et non, on se doute que oui, sinon le livre ne serait pas si long. Et j'aime beaucoup ça parce que on a le questionnement, on sait évidemment qu'il s'est passé autre chose, on ne sait pas quoi, mais on va le découvrir petit à petit en suivant tout le retour dans le passé. Et ce que j'aime bien, c'est que ce retour dans le passé, ben, il nous reste encore tout ça, donc on sait la manière dont les personnages vont se construire, vont se reconstruire après tout ce qui s'est passé dans cette maison. Et on aura, à mon avis, l'enquête policière, et j'aime beaucoup cette construction. Je trouve aussi que c'est un livre qui est tout simplement passionnant, non seulement par la construction mais par tout ce qui s'y passe. Franchement c'est vraiment chouette, je sais pas vous le dire autrement, il y a beaucoup de choses dégueulasses, bien glauques, comme j'aime. Ça faisait longtemps que j'avais plus lu un livre aussi noir, aussi sombre, avec plein de choses très désagréables qui se passent. Franchement on va assez loin quand même dans le glauque, et franchement ça me plaît beaucoup. Maintenant, il y a des choses que je regrette dans cette lecture. Première chose, je suis pas toujours accrochée au style que je trouve. Bon, maintenant, je suis habituée, mais c'est vrai que parfois, il y a certaines formulations, je me dis, oh, c'est un petit peu maladroit. Mais surtout, je trouve que vraiment, ce qui fâche un petit peu dans ma lecture, ce sont les personnages. J'ai un peu du mal avec les personnages, notamment, on a des personnages féminins qui sont toutes très bêtes. Oui, franchement, tous les personnages féminins ne sont que des personnes à sauver, des personnes fragiles, et rares sont les personnages féminins qui ne sont pas, qui n'ont pas des lèvres comme une demi-cerise ou je ne sais quoi, enfin, je sais plus la description, mais en gros, c'est tout des femmes qu'on apprécie que pour leur physique et qui visiblement sont pas très intelligentes, voilà, alors... Dans des films un peu d'horreur, parce qu'il y a un petit côté film d'horreur dans ce livre, ça passe, parce que y a souvent des personnages un peu débiles, donc ça peut éventuellement être une caricature de film d'horreur, mais je regrette que les personnages féminins soient aussi peu intéressants, et notamment, je trouve qu'il y a beaucoup de scènes, j'ai l'impression qu'ils ont tous, tout le temps, envie de le faire. Donc ils ont tout le temps envie l'un de l'autre, tu dis, mais bon, c'est bon là. Bon, il y a un moment, il se passe des choses, ils n'ont plus envie, ça je peux vous le dire, ils rangent le bazar dans le pantalon, mais franchement, il y a des moments où je me dis, mais merde, ils sont tout le temps en train de penser à ça. Je trouve ça un peu bizarre. Après, bien sûr, il se passe des choses un peu dégueu et tout, donc on n'a plus envie, évidemment. Enfin, moi, je suis un peu, ouh, calmons nos ardeurs, c'est un peu dégueulasse ce qui se passe. Mais ouais, les personnages, j'ai un peu du mal avec ces personnages. On a un personnage principal que je n'aime pas, mais je crois que c'est tout à fait volontaire de la part de l'auteur. J'espère que ça va aller mieux avec les personnages, mais en tout cas c'est un livre qui se défonce. C'est vraiment passionnant, c'est vraiment le rythme est bien dosé, la construction, tout ça, je vous ai dit. En principe, j'essaie de faire les unboxings avec des plans un peu jolis. Ici, grosse flemme de faire des plans jolis, et du coup je vais ouvrir deux livres. Il y en a un, je sais pas ce que c'est, donc j'avais fait une commande seconde main pour un livre. C'est un livre que je recherche depuis un petit moment. Ça fait partie des livres... Oui, je reviens, je suis vraiment désolée pour le choc des couleurs qui ne vont pas ensemble. J'ai froid, tant pis. Donc, ça fait partie des livres qui sont victimes de leur rupture de stock et donc qui sont vendus très cher. Il y a des spéculations ou que sais-je sur internet, et donc forcément, comme les livres sont plus édités, en tout cas pour le moment, ils sont revendus très très cher sur internet, et du coup moi j'avais un œil régulièrement, je regardais s'il n'était pas disponible. Je sais pas pourquoi je suis toujours attirée par des livres qui ne sont plus disponibles, et donc celui-là, bah, forcément j'avais du mal à trouver, et là j'ai trouvé à 4-5€ quelqu'un qui ne se doutait pas du tout que ce livre était vendu bien plus cher, et tant mieux. Donc je vais l'ouvrir, hein, parce que c'est quand même ce qui m'intéresse. Et ce qui m'intéresse, moi, ah, Rivière d'automne de Yu Dafu. Il s'agit de nouvelles traduites du chinois et présentées par Stéphane Lévesque. Donc c'est un auteur qui est né en 1896 et en fait c'est un écrivain qui a fait un peu scandale, hein, avec plusieurs de ses écrits. On va parler notamment de tout ce qui est détours autour de les détours de la sexualité. Et visiblement, ce sont souvent des œuvres autobiographiques. Ici, on a Une femme sans volonté, Le passé, Rivière d'automne.
Ouais, ça a l'air vraiment super intéressant. Écoutez, ça m'intéresse beaucoup. Je suis super contente de l'avoir trouvé. Et alors, j'ai reçu un livre... mon livre s'est suicidé, comme d'habitude. J'ai reçu un livre de chez... mon adresse. De chez Slatkin. Je demande plus le livre chez eux, parce que je vous ai déjà dit plusieurs fois, mais je suis un peu à la bourre dans tout ce qu'ils m'ont envoyé. Et donc, je n'ose plus demander de livre, ce qui est bien normal, je pense. Et donc, je suis surprise de recevoir. En général, quand je reçois Slatkin, maintenant, c'est d'un auteur que j'aime bien. Donc, vraiment, l'attaché de presse de chez Slatkin me connaît bien. Et donc là, qu'est-ce qu'elle m'a envoyé? Oh oui. Un Nicolas Feuze. Oh là là. Bah oui. Oh, en plus, il est très court. Ça va rentrer dans mon prochain challenge. Ici, c'est un Nicolas Feuze, un livre qui sort demain. Et c'est... Pourquoi il est marqué « Qui veut tuer Greta Thunberg ?» Un serial killer pulvérise à l'arme lourde de toutes les jeunes filles qui se prénomment Greta. C'est beaucoup trop bien. Désolée hein, pour la Greta Thunberg, mais très vite on l'identifie. Le problème, c'est qu'il est mort depuis 20 ans, un assassin fantôme. Un fantôme, et c'est une fable écologique aussi violente qu'efficace. Oh là là, ça a l'air génial. Moi, j'aime beaucoup Nicolas Feuze. Je l'ai découvert quand il était publié dans une toute petite maison d'édition de Book Edition. Franchement, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il propose vraiment des très très bons récits. Je connaissais pas du tout cette sortie, je m'étais pas intéressée aux sorties de chez Slatkin depuis un moment. Et si j'avais su, je l'aurais demandé, je l'aurais acheté celui-là, parce que Nicolas Feuze, j'aime beaucoup, ou j'aurais attendu sa sortie poche. Mais merci énormément, je suis trop contente, franchement. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser là, hein, parce que là, trop c'est trop. Je vous reviendrai demain pour vous parler notamment de lecture et de plantes. C'est l'heure de s'occuper des plantes, donc je vais un peu vous embarquer. J'espère que ça ira pour l'éclairage, pour la mise en scène, tout ça. Enfin, la mise en scène, n'importe quoi. Je vous prends avec moi pour m'occuper de mes plantes. Je vais ouvrir le colis que j'ai reçu puisque j'ai fait une commande baby plante. Et donc, je viens vous parler de tout ça. Voilà! Pas ma tête, mais je pense qu'il n'y a pas besoin. J'ai pris donc comme prévu le terreau, puisque je vous avais parlé du fait que je voulais absolument prendre le terreau de chez Onna Baby Plant. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce terreau là pour rempoter quelques plantes
des petites boutures que j'ai faites il y a longtemps, des plantes que je rempotais depuis un moment, donc je vais m'en occuper. Et quand j'aurai fini ce terreau-là, je pense prendre ce contenant pour aller le refournir chez un magasin du coin pour pas faire à chaque fois, vous savez, des commandes sur un baby plant. Voilà, c'est un peu l'excuse aussi pour prendre d'autres petites choses. Et donc, voilà pour ça. J'ai pris de l'engrais. La première fois que je teste celui-là, alors c'est un engrais... c'est un bête engrais, hein. Je pense que c'est eux qui font cet engrais là. J'ai jamais testé, j'en ai testé un autre qui vendait à l'époque, mais ils ne le vendent plus, donc voilà, je vais tester celui-là. J'ai toutes sortes de boutures ici qui sont... il y en a qui sont prêtes, il y en a qui ne le sont pas. Donc je vais un petit peu regarder ce que je vais pouvoir remboter. Notamment ici, peut-être que je vais rempoter dans le pot de base. Je vais voir un peu ce que je peux faire. Je vais un peu organiser mon bazar et puis je viens vous en parler. Voilà, petit retour après la séance de jardinage. Je vous montre vite fait ce que j'ai fait. Je pense que je vous ai mis quelques plants, mais en fait, je ne sais pas ce qui aura fonctionné. Et je ne vais pas pouvoir le refaire, hein, vu que ce sont pour la plupart des rempotages. Donc, j'ai mis dans des pots, etc. Donc, je me suis acheté, comme je vous l'ai montré, une Calathea herbifolia. C'est une plante que j'ai déjà. Mais à chaque invasion de trips, elle était à chaque fois prise par cette invasion. Donc je pense que je vais la mettre à un autre endroit où elle sera peut-être plus en évidence. Donc ici, il s'agit d'une bébé plante. Voilà, il y a du bon et du mauvais d'avoir une bébé plante. Ça coûte moins cher, c'est chouette de la voir grandir et tout ça. C'est super satisfaisant. Le seul hic, c'est que forcément, son système racinaire est beaucoup plus petit. Et du coup, elle est un petit peu moins résistante à tout ce qui peut être attaque, etc. Je pourrais la mettre en serre, mais je pense que je vais l'afficher un petit peu sur ma table parce que je l'aime beaucoup et je vais régulièrement la sprayer ou la mettre près de mon humidificateur. Donc voilà pour la Calathea herbifolia que je trouve absolument magnifique. Parmi mes achats, il y a cette plante-là. Je suis trop contente parce qu'en fait, il y a plein de plantes que j'ai perdues dernièrement ou que j'ai mises dans des serres. Du coup, j'avais enlevé tous les pots. Du coup, j'ai plein de cache-pots qui servent à rien et du coup, maintenant, je peux les réutiliser comme ce cache-pot hérisson que je trouve ravissant. Donc là, il s'agit d'une Calathea que j'ai rachetée. Alors, les bébés Calathea, c'est... ça marche pas très bien, je trouve, d'acheter des bébés Calathea, il faut avoir un œil un peu constant sur ces plantes parce que ce sont des, comme je vous l'ai dit, un petit système racinaire, il faut avoir, je trouve, un chouette éclairage et du coup régulièrement regarder, régulièrement arroser et j'ai pas forcément toujours le temps de m'occuper de bébés plantes, j'en suis rendu compte au fur et à mesure des mois, mais j'avais quand même envie de me racheter une petite Calathea comme on arrive petit à petit au printemps et ici c'est la Pink Dragon, donc c'est-à-dire qu'elle a des tiges tout simplement rose, alors elles seront plus roses quand elle sera plus grande, si un jour elles deviennent plus grandes. Donc je croise les doigts pour qu'elles grandissent un petit peu celle-là. Et la troisième, je vous l'ai montré, je pense, c'est une irisine quelque chose, je ne sais plus le nom exact, je n'ai pas été vérifiée, j'ai un peu la flemme. Celle-là, j'ai pas encore mis de pot, de cache-pot, je vais un peu regarder dans quel cache-pot je vais la mettre. Ah si, j'ai trouvé un cache-pot.
Je vais la mettre, je pense, dans ce cache-pot que je vais juste un peu nettoyer, mais je pense que ça ira très bien. Ça va bien, waouh, ça va trop bien ensemble, je trouve. Je vais juste nettoyer un petit peu le cache-pot. Ensuite, parmi tout ce qui est rempotage, donc j'avais mis pas mal de plantes en bouturage. J'avais fait des boutures d'une misère. Alors les misères chez moi, ça marche. Les misères zébrina, la Tradescantia zébrina ne marche pas très bien chez moi. À chaque fois, elles se tapent des trips. J'ai eu trois. J'ai pris plusieurs fois des boutures de la misère de ma grand-mère ou j'en ai une fois acheté une. Pareil, les trips. Donc vraiment, les deux plantes qui se tapent le plus de trips chez moi, c'est les misères, la Tradescantia zébrina. Et la Calathea orbifolia, du coup, à chaque fois j'ai envie quand même de retenter. Et du coup, j'avais fait une bouture de ma dernière misère. L'année passée, j'avais acheté une Calathea, je crois que c'est Dragon Scale, quelque chose comme ça. Enfin, vous savez, avec cet effet écaille de dragon. Et pour le coup, elle a tenu. Alors non, elle n'a pas tenu, elle était en pot, elle était tout le temps toute flappy. Et j'ai décidé depuis, je crois que ça fait bien presque 6 mois qu'elle est en eau, donc je l'ai mise en eau pendant presque 6 mois, donc j'espère que ici la remise en terre va aller. Comme on arrive au printemps, je me suis dit que c'était l'occasion. Je pense que je devrais garder vraiment un œil sur elle parce que comme elle a été en eau pendant très longtemps, le passage d'eau à terre me fait un petit peu peur, donc je vais devoir l'arroser assez souvent, pas trop non plus pour pas l'asphyxier, mais donc je vais un petit peu voir. Je lui ai mis pas mal de perlite pour que le terreau soit bien aéré. J'espère que ça va aller, surtout que ce type de pot assèche plus vite la terre, etc. parce que ça absorbe un petit peu tout ce qui est humidité. Donc je vais essayer de garder un œil dessus, je sais pas trop où la mettre, mais je la trouve vraiment trop jolie. Je suis contente qu'elle ait un peu ressuscité en allant dans l'eau. Vous avez certainement vu plein de fois ma Calathea, je pense... Oh non, c'est pas une Calathea, pas du tout, c'est une Maranta, le Coneura, il me semble. C'est une plante que j'aime énormément, alors c'est un petit peu fragile ici au niveau, enfin toujours, hein, parce que c'est, vous savez, des tiges comme ça... qui est auprès du bord du pot. Bon, il a un beau cache-pot, mais j'ai la flemme d'aller chercher. C'est un peu fragile, j'ai toujours peur qu'elle casse, et ça risque hein, vraiment de casser. J'ai l'impression qu'elle repousse, elle m'a fait une attaque de trips, et j'ai réussi à l'endiguer cette attaque, mais je la surveille toujours un petit peu. Et en fait, j'avais fait une bouture au cas où, comme il y avait une attaque de trips, et donc vous avez vu, enfin vous voyez ici que j'ai replanté cette bouture, puisqu'il y a quelques feuilles qui sont sorties de cette bouture, donc je suis trop contente. Donc c'est facilement les bouturer, ces plantes là et je suis vraiment très très contente parce que du coup elle est beaucoup plus forte, enfin beaucoup plus grande. C'est juste qu'elle pend là, lamentablement. J'aimerais bien la mettre, mais bon, j'ose pas trop la chipoter parce que comme je vous dis, c'est un petit peu fragile ici. Voilà, sinon j'ai pas fini, j'ai encore des choses à vous montrer. J'ai mon pothos argentier qui a connu des temps meilleurs. Alors vraiment, ça, c'est une de mes plus vieilles plantes de toute ma collection. Elle a eu pas mal d'attaques et c'est surtout, c'est pas vraiment les attaques, c'est l'oubli. Parce qu'il y a un endroit dans mon appartement que je vérifie jamais et j'oublie tout le temps cette plante et du coup, elle survit alors qu'elle a été très très longue à un moment et je me casse même plus la tête à lui mettre un cache-pot. C'est vraiment honteux. J'arrive pas à trouver un cache-pot à la bonne taille en plus. Enfin, je pourrais, hein, mais voilà, j'ai un peu la flemme. J'ai certainement les doigts encore pleins de terreau, hein, mais bon, ça c'est la joie du jardinage. J'ai fait un repotage, je l'ai un peu renfloué. Et donc je pense que je vais encore un petit peu la couper pour la renflouer petit à petit pour qu'elle soit un petit peu plus appétissante parce que là elle ressemble à rien. Voilà. Quand je vous disais qu'il y avait deux plantes qui étaient sensibles aux trips, non, en fait je dis n'importe quoi, il y en a plus de deux. Il y a celle-ci, une Monstera. Alors celle-ci, c'est une de mes premières plantes également. J'avais une très belle Monstera et elle s'est pris des trips. C'est une plante qui pousse vraiment très facilement, c'est très agréable. J'ai décidé de sauver une fin de branche et je l'ai mise en eau pendant un long 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 moment et j'ai décidé maintenant de la remettre en terre et donc on va voir, hein. J'espère que je n'aurai plus de trips. Je vais acheter des petits, vous savez, ces petits sachets. Je crois que je vais les acheter en prévision là bientôt s'ils sont encore dispo dans le magasin parce que c'est des sachets avec des prédateurs, vous savez, des petits micro-insectes. Ah, Cucumeris, je pense que ça s'appelle Cucumeris, ce sont des petits... des petits acariens qui se nourrissent de larves de trips, c'est tout à fait ragoûtant. Et je pense que je vais en acheter en prévention parce que j'ai vraiment pas envie d'avoir de nouveau des attaques et de re-sauver. Ça m'est arrivé tellement de fois de re-sauver toujours la même plante. Donc j'espère que ça va aller. Enfin, j'ai l'impression que les trips ça va en ce moment, mais bon, voilà, j'essaye avec celle-là.
Dans la dernière vidéo où je vous parlais de plantes, je vous parlais de mon philobrasil. Alors mon philobrasil, il a eu une période où il était magnifique, il cascadait, il était beau, et puis paf, les trips, pareil. J'ai fait un petit rempotage là ici, je lui ai rajouté une petite branche en plus que j'avais coupée. Hein. J'avais coupé comme d'habitude, une extrémité que j'ai mise en eau pendant quelques mois. Et en général c'est plus quelques semaines, mais là je l'ai laissé un peu traîner et du coup je l'ai renfloué, donc normalement ça devrait aller mieux. Comme c'est des plantes qui sont en hauteur, j'ai toujours un petit peu peur de les oublier, parce que c'est un peu ça le problème, c'est que j'oublie les plantes qui sont très hautes, mais enfin qui sont en hauteur, donc j'ai pas facilement accès. Mais bon, j'espère que ça va aller, j'espère, hein, je sais pas quoi dire d'autre. Parce que vous voyez, hein, il y a toute une partie sans feuilles. Donc je pense que je vais faire une sorte de marcottage. Vous savez, c'est quand on met les tiges. Vous savez, les tiges qui peuvent pousser, qui peuvent prendre des racines quand on les met près de la terre. Et du coup, il y a des racines qui prennent. Donc je crois que je vais la tourner de sorte à faire une sorte de marcottage. Et de la renflouer un petit peu la belle. Et les deux suivantes, c'est quoi? On a ici un philo qui est arrivé, que j'avais acheté sur Online Baby Plant en juin. Je pense qu'elle devait pas être dans un bon état. Sur le moment, j'avais rien vu, mais en fait, assez rapidement, elle était en terre. Et peut-être, je pense que c'est ça. Soit elle a eu une attaque de trips, mais je n'ai pas vu des trips dessus. Soit elle a été asphyxiée. Parce que souvent, malheureusement, Online Baby Plant, ils envoient... dans des packagings qui sont pratiques, hein, c'est pas ça, mais du coup le terreau est très très humide pour être sûr que si on envoie ça dans des pays très lointains, ça puisse arriver encore en vie. Alors moi forcément ça arrive en deux jours puisque c'est aux Pays-Bas et donc c'est pas loin de chez moi vraiment. En tout cas, celle-là je pense qu'elle a été asphyxiée et je l'ai pas rempotée. Erreur que j'ai faite. Et du coup je l'ai mise en eau et heureusement il y a une feuille qui a survécu. Je trouve vraiment cette plante... magnifique, hein, vous voyez, c'est vraiment beau. Hein. Et il y a une petite pousse qui commence à sortir, donc c'est plutôt bon signe, donc j'espère qu'elle va prendre. Et je vous en ai déjà parlé, mais dans ma serre, j'ai plusieurs petites plantes qui sont un peu des plantes un peu précieuses, qui sont un peu plus chères et que j'aime bien garder dans une humidité ambiante. Il y a notamment cette plante-ci qui est ma philodendron Pink Princess. À chaque fois j'oublie, ça fait longtemps que j'ai pu parler de plantes, c'est pour ça. Et en fait elle allait très très bien, elle va je pense toujours très très bien, mais je pense que ce système de petites perlites dont je vous parlais la fois passée n'est peut-être pas idéal à long terme. Elle a besoin d'engrais et là on arrive en printemps et je pense qu'elle va avoir besoin d'engrais parce qu'elle a commencé à avoir une feuille un peu jaunâtre. Du coup j'ai décidé de la remettre en terre. Voilà, je pense qu'elle va bien. Vous voyez, hein, il y a une pousse ici. Coucou. Voilà, c'est trop chouette. Et du coup là ça me fait plein de plantes à ranger. Déjà je dois les arroser, faut pas que j'oublie. Et puis je les remets dans les pots. Ça me fait plein de plantes et je suis trop contente parce que j'ai presque rien payé en fait pour ces plantes, vu que la plupart sont des boutures que j'ai faites. Donc je me suis acheté trois petites plantes. Je crois que j'ai payé en tout et pour tout le terreau, l'engrais que je vais tester d'ailleurs, et les plantes, je pense que j'ai payé 19€, plus les frais de port qui sont un peu chers, une petite vingtaine d'euros. Voilà, je trouve que c'est un craquage tout à fait raisonnable en tant que fan de plantes, et parfois sur Online Baby Plantes, comment vous dire, qu'il y a parfois des petites pépites assez rares. Et voilà, je vais m'arrêter là évidemment, il y aura bientôt la saison des bulbes etc, donc j'aurais bien envie de me refaire des caladiums comme chaque année, je vais peut-être reprendre ceux l'année passée. Petite anecdote, plante que j'oublie tout le temps, c'est celle-ci. Alors vous allez me dire, oh elle a l'air d'aller super bien, mais en fait je l'oublie tout le temps, donc à chaque fois elle doit subir, à chaque fois elle perd une feuille, donc genre ici il y a une feuille un peu jaune, mais je sais pas pourquoi. Il y a des endroits de mon appartement, pourtant mon appartement n'est pas non plus gigantesque, mais il y a des plantes comme ça que j'oublie, mais systématiquement. Donc elle souffre un petit peu, voilà, elle a des branches un peu nues. Et puis pouf, ah je me suis rappelée de son existence. Je la trouve vraiment très très chouette. Franchement ça c'est un bête pothos, hein. Le pothos, c'est le Marble Queen il me semble. Qui franchement j'aime beaucoup cette plante, qui est censée être bien... avec beaucoup plus de variegation, mais comme on a eu très peu de soleil dernièrement, enfin c'était un peu compliqué, mais voilà, c'est pour vous dire qu'il y a aussi des plantes que j'oublie, hein, voilà, et c'est pas grave parce que il y en a certaines qui sont assez fortes, donc si vous êtes comme moi,
vous oubliez vos plantes, eh bien, achetez-vous un potos parce qu'il vous pardonnera. De temps en temps, il vous dira, bon, là, j'avais envie de pousser, mais je ne pouvais pas. Mais il vous... franchement, c'est trop chouette, cette plante. Parce que franchement, elle vous pardonne tout ce que vous lui faites. Hello, hello, je vous retrouve un petit peu plus tard. Je me rends compte que je n'ai pas enlevé mon tablier de jardinage, mais tant pis. Je viens vous parler parce que j'ai terminé mon livre. Alors, j'ai terminé plus tôt que prévu. J'avais prévu de le finir samedi, on est jeudi, je l'ai terminé. Donc, c'est la preuve quand même que... Tom Clearley qui est quand même vachement doué pour nous pondre une histoire autant aussi sordide que addictive et franchement, enfin, chapeau à l'auteur quand même de nous faire un livre de 625 pages qu'on lit à une vitesse assez folle hein, puisque je n'arrivais pas à le lâcher. Franchement, c'est vraiment le gros point positif de ce livre, c'est qu'il est vraiment très addictif. Autre gros point positif, je trouve, c'est sa construction. Je vous en ai parlé hier également. La manière dont il est construit, donc en trois parties, hein, et c'est pas un secret. La première partie, c'est l'introduction de l'histoire, l'introduction de l'enquêteur. La deuxième partie, qui est le milieu de l'histoire, c'est vraiment tout ce qui s'est passé dans la maison. Et la dernière partie, c'est ce qui se passe après. Et j'aime beaucoup quand dans les livres, on nous propose un après, parce que c'est super intéressant d'avoir un aperçu sur ce que deviennent les personnages après avoir vécu un traumatisme, et tel qui survit, qui bazar, enfin, je vous laisse vraiment découvrir, hein, mais je trouve ça toujours intéressant moi, d'avoir l'après, c'est ce genre de choses en général qui me manquent dans les livres, le nombre de livres qui ont été des déceptions parce que ça s'est arrêté trop brusquement, ou qui ont été des frustrations parce que ça s'est arrêté trop brusquement, c'était pas du tout le cas avec ce livre-là. Franchement, pour tout ce qui est aspect glauque, aspect roman vraiment psychologique, avec un peu de suspense, etc., c'était vraiment bien fait. Maintenant, je vais redire un peu les mêmes choses. On a des personnages, je trouve, du début à la fin, qui ne sont pas très... Je trouve que ça manquait vraiment de finesse chez les personnages. Je ne sais pas si c'est volontaire de la part de l'auteur, parce que parfois, dans ce genre de livre qui se veut un peu phénoménal et tout ça, parce qu'il se passe des choses dégueu et tout... Oh, j'ai gardé mon tablier. Dans ce genre de livre, parfois, on a effectivement le genre de personnages qu'on peut rencontrer dans des films d'horreur, parfois un petit peu bêtes. Les femmes sont souvent quand même un petit peu bêtes. Mais c'est vrai que aussi dans certaines scènes, quand on a par exemple des scènes de sexe, pour moi, dans une scène de sexe, je n'aime pas voir le mot vagin et le mot pénis, vous voyez ce que je veux dire, j'aime bien que ce soit décrit avec d'autres mots, j'ai pas besoin que ce soit toujours dans la suggestion, c'est pas grave si l'acte est vraiment écrit, mais il y a des mots que moi je n'aime pas retrouver dans une scène de sexe parce que ça me gâche ma lecture en fait, et il y a plusieurs passages où je me suis dit tiens... J'étais pas très heureuse avec les mots que l'auteur avait utilisés, quoi, et là c'est un petit exemple parmi d'autres, mais j'étais pas très confortable toujours avec les choix de l'auteur, des mots qu'il utilise, la manière dont il écrit. Alors c'était pas toujours le cas, hein, parce que franchement, hein, si j'avais détesté l'écriture de l'auteur sur 625 pages, je ne serais jamais arrivée à 625 pages, mais il y a certains moments où je trouve que ça ressortait. C'est des petites faiblesses, je trouve, au niveau du style qui me sortait un petit peu de ma lecture. La dernière partie, alors si vous regrettez la partie glauque du milieu où ils sont enfermés, tout le bazar, je vous dis pas évidemment tout ce qui se passe, sachez qu'il y a encore sur la fin des scènes bien dégueulasses, et donc je ne m'attendais pas du tout à voir ça sur la fin. C'est surprenant, même si ça tire un tout petit peu en longueur quand même, avec certains personnages, certains retournements de situation qui sont « mais pourquoi ?». En même temps, on peut un peu se douter qu'il peut se passer telle ou telle chose, mais d'autres choses qui sont plutôt originales. Je trouve que l'auteur est assez tordu pour nous faire, et c'est un compliment, pour nous faire des petites... Ah, je sais pas comment l'expliquer parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais si vous aimez bien en général les scènes un peu de torture, eh bien sachez que il y en a, et c'est fait avec gaieté et bonne humeur sur la fin, c'est assez marrant. Écoutez, malgré tout, ça reste un livre que je vais noter, parce que moi je note mes lectures, à plus ou moins 16 sur 20, parce que malgré les défauts dont je vous ai parlé, qui pourraient être rédhibitoires pour certains livres, je vous avoue que j'ai tellement dévoré ce livre que pour moi c'est un livre...
Je sais pas si je vais le garder longtemps en tête, mais il a été quand même assez redoutablement efficace. Voilà, voilà, écoutez, j'ai plus grand chose à vous dire. Je pense qu'il... je vais me lancer dans d'autres lectures et je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que j'avais prévu de commencer Cranford d'Elisabeth Gaskell. Je vais bientôt me lancer, je sais pas trop ce que je vais lire d'ici la fin de ce vlog, mais dans le vlog prochain que vous verrez, je vais me lancer dans un challenge de lire 14 livres en 14 jours. Vous allez me dire, tu ne fais que ça, lire 10 livres en 10 jours. Mais écoutez, là j'ai des petites vacances et c'est le genre de challenge que j'aime beaucoup faire en vacances. Ça me permet de varier, d'avoir des vacances hyper piquantes et je vais un peu prolonger sur ma petite rentrée. Donc voilà, ce sera très motivant parce que j'ai beaucoup de livres. Récemment, j'ai acheté beaucoup de choses... des petites lectures, j'ai des thrillers que j'ai envie de lire, des classiques, de littérature russe, littérature asiatique, enfin j'ai vraiment toutes sortes de livres que j'ai envie de lire, donc je me dis que c'est l'occasion. Écoutez, je vais retourner à mon montage parce que là je suis toujours coincée dans mon montage de point lecture que je n'ai toujours pas terminé, toujours pas. Donc là je vais continuer un petit peu, je sais pas ce que je vais lire là aujourd'hui, peut-être commencer Cranford effectivement. Voilà, on va voir. En tout cas, je vais pas vous faire des bisous en plein vlog, mais je vous retrouve un peu. Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour clôturer ce vlog. J'ai pas grand chose à dire, hein, donc la petite clôture sera rapide. Si je me rappelle bien, l'objectif de cette vidéo, c'était de commencer le Cranford que j'ai commencé, c'était de lire sans retour ce que j'ai fait et je ne sais pas si j'avais d'autres objectifs mais tout s'est bien passé. Écoutez, ces derniers jours j'ai plus vraiment lu, plus du tout en fait, hein, j'étais, enfin comme tout le monde, hein, je pense préoccupée par les mêmes raisons, par les mêmes choses, du coup j'avais pas trop la tête à lire et me plonger dans des univers, mais voilà, j'ai quand même tenté d'avancer dans le champ des sans repos. Mais je sais pas si je vais l'abandonner honnêtement, vous verrez dans le prochain vlog si je l'ai abandonné ou pas. J'aime pas trop abandonner les livres, en plus celui-là je l'ai eu en SP et ça m'embête un peu parce que j'aime bien quand même quand je parle d'un livre, ça m'embête un peu parce que j'aime bien quand même quand je parle d'un livre, si je l'abandonne, l'abandonner à quand même 93 pages, je trouve ça un peu... C'est un peu tôt quoi, donc je pense que je vais encore un petit peu avancer. C'est pas que ma lecture n'est pas désagréable, hein. C'est pas totalement désagréable, mais je n'y trouve pas un intérêt particulier, je n'ai pas envie de me plonger dedans, je ne suis pas happée par cette histoire. Je suis beaucoup plus happée par Crime et Châtiment de Dostoïevski. Voilà. D'ailleurs, plusieurs personnes m'ont demandé si je participais à Mars au féminin. Écoutez, non. J'adore ce challenge, je le trouve super chouette, mais la raison principale pour laquelle je ne fais pas Mars au féminin, c'est que j'ai commencé Crime et Châtiment de Dostoïevski, qui est un homme, hein, et comme ça apprend tout le mois, je pense, je vais être plongée dans cette lecture, je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens de lire un homme pendant le mois Mars au féminin, voilà, et j'ai pas envie de l'arrêter pour le recommencer plus tard, j'ai vraiment envie de le continuer, donc voilà, je ne ferai pas Mars au féminin pour cette raison. Mais voilà, écoutez, j'espère de tout cœur que vous allez bien, déjà, que ce petit vlog vous aura plu, enfin petit, je ne sais pas, hein, je pense qu'il aura été plutôt long. J'espère que les plantes vous auront plu aussi, je ne sais pas si je ferai encore des vidéos uniquement basées sur les plantes, mais j'aime bien dans des vlogs de temps en temps mettre des petits plans où je m'en occupe. Et donc si ça, j'espère que ça vous plaît et que ça vous distrait surtout parce qu'on a un peu besoin de ça en ce moment. Même si c'est vrai que j'avais pas mal de doutes à l'idée de publier un vlog qui n'est pas vraiment essentiel. Hein, mais je sais que moi j'aime bien regarder des vlogs en ce moment parce que ça détend, ça distrait. Et donc c'est pour ça que je vais continuer. Mais bon, si je ne lis pas, ça ne sert pas grand chose. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.